Bonjour à tous. Et ça va? Enchanté. On se retrouve à l'ancienne. C'est rare. Hein. Ça faisait combien de temps, peut-être le dernier live entablé, comme on l'appelle? 6 mois qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça. Là. Je pense 6 mois dans cette disposition, quoi. Lucas, Fred et Ben, est-ce qu'on ferait pas un tour des actus? Attends, tu me prends au vif. T'as une actu, Lucas, ou pas? Je commence à faire souvent des hot dogs chez moi. Je trouve un peu sous-côté. Attends, est-ce que t'as la machine hot dog, tu sais, là, avec les pics comme ça? Bah non. Les hot dogs de Lucas, ça doit être knacky au micro-ondes. Fred, il paraît que t'as une grosse actu. Ouais, j'ai une grosse actu, mais c'est acheter un kit d'aspirateur d'embout. Pour faire les recoins, c'est un vrai truc de daron. Ça se voit, tu nettoies tes miroirs, toi. Sûr, tu nettoies tes vitres. Ouais, bah oui. Avec un produit spécial vitre, pas un produit toute surface. Tu nettoies tes slips. Oh, là, le bouffon. Le temps, mais surtout de l'été en plus. Je suis sûr, tu mets jamais 2 jours de suite la même chaussette. Jamais. Une actu, Pierre? Moi, c'est l'inverse. J'ai pas envie que les gens prennent l'exemple, le mauvais exemple, parce que nous, on se doit un peu être le bon exemple parfois. Dis-moi, je te sens pas bien. Je pars en week-end là, et ce matin, donc je fais mon sac, j'ai mon sac qui est juste là. Je pars en week-end. Non, il ment pas. On le voit. J'ai pas lancé mon lave-vaisselle. Oh punaise de lit. Pierre, franchement, un conseil, tu jettes tout. Ah, c'est de la vaisselle jetable. Attends, vous avez des grosses actus, les gars. Bah, t'as un truc. J'ai été au concert de Coldplay, et j'étais hyper bien placé. Non mais t'as pas un vrai truc. Il a fait Fix You, il y avait des feux d'artifice et c'était incroyable. Si t'as rien à raconter, tu dis que j'ai pas l'actu. Messieurs, nous allons faire, regardez. Oh là là, il vient de sortir, c'est un livre qui vient de sortir. C'est pas un best-seller ça. Ça c'est un best-seller. Ça c'est un best-seller. C'est l'été, c'est le moment des apéros. C'est un livre de jeux de soirée. On n'est pas en soirée, on est en matinée pour info. On a pas mis d'alcool, mais c'est un jeu qui joue potentiellement avec des gorgées, si vous voulez. Mais là, on joue à l'amiable. Pour le fun. Parce qu'il y a aussi pas mal de jeux dans le livre qui se jouent pour ceux qui ne boivent pas particulièrement ni d'alcool. Il y a des gens qui boivent pas d'eau. Il y a des jeux qu'on peut faire sans les pénalités de gorgée et on va le prouver aujourd'hui. Celui-ci s'appelle la speed list. La speed list, qu'est-ce que c'est? Ça se joue avec très très peu de budget. Ça se joue avec un dé chacun. C'est fourni avec le livre ou pas les dés? Non. Espèce de gros radin. Il y a que les pages qui sont fournis avec le livre. Enfin, un pack D. Et un téléphone avec un chronomètre, un compte à rebours de 10 secondes. Qui n'est pas offert non plus le téléphone. Le téléphone n'est pas offert non plus. Donc ce qui va se passer, c'est que chacun son tour, on va donner une liste à énumérer. Prends l'exemple du bouquin puisque c'est bien fait. Les capitales européenne. À partir de là, on se prépare à lancer le chrono, on lance son dé. Okay. Le plus grand dé d'entre nous doit aller en 10 secondes citer le nombre de capitales européennes qu'il a sur son dé. Donc c'est 6 maximum. C'est 6 maximum. Ça peut être 3. Ça peut être 3. Par contre, si toi et moi on fait 6, on est annulé et c'est le deuxième plus grand qui joue. Pierre Cross, si jamais, tout c'est égalité. Il savait que. J'avais pas prévu ça. Ordure. Je suis un peu tatillon, Pierre, sur les règles, ouais. Tu me connais. Ouais. Non, ça s'annule, on recommence. On recommence, ouais. C'était écrit dans le livre. J'ai mis quelques exemples de listes pour s'inspirer un peu. D'accord. Il y a les listes généralistes où tout le monde peut jouer, puis il y a les listes entre nous, par exemple, des noms de bars de la ville dans laquelle vous êtes. Oh, c'est sympa ça. Les films que Lucas n'a jamais vus. Très bien, ça j'aime bien. C'est genre, mais c'est marrant, j'aime bien. Okay. Si t'arrives pas à lire ta liste, tu bois ton de gorgée. Et après, tu peux corser le tout en disant si t'y arrives, chacun boit les gorgées qu'il avait sur son. Aujourd'hui, on va jouer sans gorgée, on va jouer avec les points. Donc, si Lucas fait 6, qui réussit sa liste, il marque 6 points. S'il n'y arrive pas, il offre les points que chacun avait sur ses dés. Et bah, ce sera avec plaisir, les gars. Le premier qui arrive à 50, finit la partie. Amusons-nous. C'est parti. Alors, du coup, là, attends, qui dit les listes? C'est chacun son tour. Donc, okay. Là, moi, je peux commencer si vous voulez. J'en prends une du bouquin. Ah, bah, tiens, très été. Des villes où il y a la plage. Mais là, maintenant, faut aller vite parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. 3, 2, 1. 6. Allez, Ben. Il y a Biarritz qui a la plage, il y a Nice qui a la plage, il y a Marseille qui a la plage. Juste les villes, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Quelle erreur. T'as perdu du temps, t'as dit à chaque fois qu'il y a la plage. Mais c'est une façon de réfléchir. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a 6 villes qui ont la plage en France ou pas? Je pense que si, je pense que si. Maintenant, vu qu'il a échoué. J'ai échoué, j'ai perdu, j'ai pas échoué. Échoué, ça fait vraiment un problème de vie, quoi. J'ai échoué. 3 pour Fred. Moi, j'avais 1. 3 pour moi. Et Ben n'inscrit pas de points pour l'instant. Lucas, est-ce que t'as un thème? Et sachez que j'ai très peur de dire un truc et vous dites « Ah, c'est claqué, quel connard !» Ah putain, mais quel connard! Vous avez toutes les règles, je peux laisser le livre en avant, bien en avant, pour que... C'est grotesque. Tout cas, il y a vachement bien. Où est-ce qu'on peut l'acheter, Pierre aussi? Mais un peu partout, mais il y a surtout le lien Amazon dans la description. Bien sûr, il y a le lien Amazon dans la description, c'est sur Prime qui arrive très très vite. Des villes qui commencent par C. 3, 2, 1... 5, qui a fait 5? Fred, vas-y, go. Chamonix, Clamart, Carquefou, Il reste deux. Charleville-Mézières. Oh oui! J'ai pas! Point à point! Attends, mais c'est trop dur! Il y avait Carcassonne, il y avait Cahors. 4 pour Lucas. Eh ben, c'était pas si claqué, tu vois. Merci. Tu vois. Et Ben? Petite thématique. Bah, des noms de cocktails. Oh là. 3, 2, 1.
1, 6. C'est toi, ben ça va mieux. Le Moscow Mule, Margarita, il y a le Sex on the Beach, Cuba Libre, et il y a. Et il y a. Non, ah, c'est trop dur. 6, c'est dur. 6, c'est injouable, sauf si c'est ta liste à toi, quoi. 2, 3, 4. Ça, et ça peut aller vite, hein. Le meilleur move, c'est ça, c'est faire un 5 et t'as l'un qui fait un 6. Je suis déjà à 12 points sans avoir dit la moindre plage, hein. Ça mange à l'un maintenant. Vas-y, Ben, venge-toi. Allez, je me venge. Ça peut tomber sur toi. Hein. Je veux une liste des surnoms ou des synonymes de l'appareil génital masculin. Oh, allez, 6. Oh, c'est fun. Attends, la verge, c'est la matraque, l'asticot. Il y avait des choses. Le braquemar. Le petit ver de terre, la fourmi rampante. L'asticot, le démon qui peneux, le cric. Et par contre, les gars, là, je vous mets bien. Ah ouais, 4, 4. Par contre, ouais. 4 pour Ben. 1, 2, 3, 4. 5 pour Lucas. 4 pour moi. Des boys band. 6. Stop it. To be free, worlds apart, alliage, c'est trop dur. G-Squad. G-Squad, bien Street Boys. T'as juste le temps de dire les 6 et c'est fini. Tu veux mettre le chrono à 15? Allez, on se met à 15 secondes. Un tour à 15. Ouais. Entre nous, on le dit à personne. Et on le dit à son père. Lucas, t'as un thème? Des styles de pizza, vous avez capté? Ouais. Quoi? Donc pizza. Qui a deux? Moi. Margarita 4 fromages. Oh là là. T'as dit quoi? Margarita 4 fromages. On enlève le point. C'est Margarita. Margarita, c'est un cocktail. Oh bête. T'en as un autre? T'as encore 4 secondes. T'as encore 4 secondes. Là, pizza aux truffes. C'est même pas un nom de pizza, ça. C'est normal, on accorde le point. On va pas être mauvais joueur. En vrai, j'ai toujours dit Margarita dans ma vie. C'est un cocktail. Et t'amènes quoi à table? Bah, un cocktail. Des noms de jeux de société qu'on a fait sur PC2. Tout de suite. Wow. 4, c'est toi, Pierre. Alors. Oh la fraude. Oh la fraude. Alors, chaîne, c'est ta chaîne. La fraude à son prime. Alors. Code name, 5 secondes. Aïe, 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 c'est dur ce qui vient de se passer. Quelle fin de carrière pour moi. C'est Lucas qui est devant, attention. Hein. Eh, Lucas, tu te la racontes là. Merci, c'est un plaisir. Lucas à 22. Hein. Déjà. Légende de la comédie française. 6, Christian Clavier, Louis de Funès, je dirais Jean Reno également, je dirais également Jean Dujardin. Oh, il en met plus, il en met plus, il en met plus. Moi j'aurais dit Ben, Fred et Lucas. Oh là là. Et là tu gagnes 10 points. Vous voulez un petit thème du livre? Oh, il a pas d'un spice, bâtard. Il a pas d'un spice. C'est moi qui les ai écrit. Oui, c'est vrai. J'aimerais le prendre. Des gens qui ont vomi à Maison Grise. Wow. Dans les bureaux. 6, c'est toi. Pierre, Guillaume, Ben, oui. Geoffrey, PA et il y a tout le monde. Et bah ouais, je peux dire n'importe qui et Sophie. Moi, c'est sûr que non. Pierre, non. Pierre, non. Il a bon sur moi, qui était devant. C'était pas dans l'enceinte. Dans l'environnement, ouais. Dans l'environnement. Ouais. Qui d'autre t'as dit? Geoffrey. Geoffrey, mais je suis pas sûr. Hein. Geoffrey, je pense pas qu'il vomit. Non. Hein. Même Guillaume, je pense pas. Hein. Et même PA, d'ailleurs, j'ai tout faux, en fait. Aïe, aïe, Lucas, tu nous donnes des points là. Aïe, 2 points à Fred, 5 à Ben. C'est à toi, Lucas. Ouais, vous êtes prêts? Celle-là va être dure, je pense. Des noms de mangas. Ah, 6 égalité, 5 pour Fred. Si tu réussis pas, par contre, on prend masse de points. Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, My Hero Academia. Ouais. Toutes les coques Kenoshin, en fait. Je sais pas, Sailor Moon, Ranma 1,5. C'est réussi. Ok. Heureusement, parce que sinon, je crois que c'était le cas où on prenait plus de points. Le total des scores pour le moment, Lucas 22, Fred 13, Ben 15, Pierre 19. C'est très sérieux. Liste de films qui ont eu au moins 3 films. Genre des sagas qui ont eu au moins 3 films. Une trilogie, quoi. Une trilogie. Minimum, non, mais minimum. 4. Ah oh, oui, je suis content de pas l'avoir. Allez. Fred. Pirates des Caraïbes, Retour vers le futur, ouais. Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park. Bravo. Il y a début à la fin, il a été parfait. Ah, du coup, ouais, là, je prends 5 points. Il commence à hacker le game, là. Les membres de ma famille. Allez, vous me citez des noms de basket Nike. Oh non, flemme. C'est basket Nike. Bah Air Force, chaussure gauche, chaussure droite. J'ai 20, ouais. Attends. Et Mercurial. Et c'est fini. Et bah ouais, t'as les Air Force. T'as les Air Max One, Air Max 87. Exactement. T'as les Ten, t'as les Waffles, c'est les premières. Ah ouais. Putain, Ten aussi, c'est vrai, merde. Bah ouais, si, je devais en avoir 4. Des sandwichs McDo qui ont été éphémères. Oh. Évidemment, je fais 6. Allez Ben, c'est ton thème. Long Chicken Crispy, Fish and Mustard, Big Crispy Crunchy et le Barbecue Waffle Guacamole. Il n'y en a pas. Ah, c'est... Aïe, aïe, aïe. Là, pas de chance. Vous prenez tous vos points, quoi. Ça veut dire au score, Lucas, il culmine déjà à 27 points. Merci, messieurs. Fred, il culmine déjà à 24 points. Ben, il culmine déjà à 16 points. En fait, tu culmines pas, quoi. Et moi, à 22. C'est toujours très serré. Citez-moi des qualités que Pierre n'a pas. J'aurais été tellement bon, j'aurais tout raflé. La ponctualité,
Il y en a 10 000. Attends, en vrai, non, mais c'est juste que... Ponctualité, sobriété, hygiène, savoir bien conduire. T'as pas réussi sur les cocktails à en sortir 4. 28 pour Lucas. Les aptitudes physiques sportives. Ça y est, en fait, on a fini. Burger, on t'a pas entendu revenir. 24. 17 pour Ben. Et ensuite... 25 pour moi. Bravo, bravo. Des moyens de transport urbain. Wow. Non. 600. Allez, allez. Transport urbain, oui, bah attends, si, 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 alors ce truc. C'est le mec qui bouge le moins en ville. Eh ben, bah métro, tramway, bus, voiture, RER, trottinette électrique. Voilà, voilà. Voiture en ville, mais salaud, bah. Bah écoutez, j'utilise tout le temps tous ces trucs-là, moi. 34 pour Lucas. Il est largement en tête avec ses 6 points marqués. Personne m'arrêtera. Synonyme de l'appareil génital féminin. Oh le 6 oh, oh le 6 c'est qui, c'est pas le... Allez, prénom. Porte du bonheur. Attends, la vulve, le... le con, la moule, l'huître. j'ai pas. 5 pour Ben là. Ah ouais. Il fait une belle opération. Hein. Les qualités que j'ai. Wow. Quoi? Oh, yes! Je dois les dire moi! La ponctualité. Non! Ah. La créativité? Oui, créativité. Allez. La sympathie? Sympathie. Sympathie. Allez. La. La musique? Non! La créativité en musique? 15 secondes, c'est bien. Pour ceux qui ont acheté le bouquin, je vais le réimprimer, vous devez le racheter parce que je vais mettre 15 secondes plutôt que 10 secondes. Citez-moi des films que Pierre a vus. 6 pour Fred. Des films que Pierre a vus. 6 films. Je te laisse tranquille. Fight Club, Seven, Titanic, Harry Potter 1, Jurassic Park, Shutter Island, La Ligne Verte, Camping. Alors, t'en as vu combien là? Shutter Island. Évidemment que non. Camping. Non. Le 1? Camping 1 avec Franck Dubosc? J'y crois pas. Des ballons d'or de foot. Non, c'est moi. Vas-y, vas-y, je m'aime pas le chrono. Cristiano Ronaldo, Messi. Allez. On le croit, on vérifie quand même. Film pour adultes avec le nom parodique d'un vrai film. 5. Chatte sur un mât brûlant. Matrix. Ah non, bah mince. Ah, tu l'as pas? Moi j'ai la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, bien sûr. Blanche Fesse et les 7 mains. Avatar. C'est drôle ça. Des thèmes qu'on a utilisés dans cette vidéo. 6 pour Fred. C'est trop facile. Bah, les mangas, les ballons d'or, les qualités que Pierre n'a pas, les qualités que Pierre a, les sagas de films, les cocktails. Ouais. Les gars, j'en ai une valeur tout seul l'idée, ok? Ouais. Vraiment tout seul, ok? Tu comptes être là en off? Ouais, une autre. Hein. Les gars, on va citer les excuses de rupture, ok? Fred qui prend. Merde! Bah, je ne t'aime plus, tu es trop bien pour moi, je veux pas d'enfant avec toi, je t'ai trompé, je n'aime pas ta mère, et physiquement, je crois qu'on ne se correspond pas. J'aime pas ta mère, je te trouve dur. Je veux pas gratter des points, hein. Tu peux rompre pour une belle-mère. J'aime pas ta mère. On arrête la relation. C'est toi qui as décidé du thème, tu accordes pas le point. Ah, c'était dur, je trouvais quand même. Alors qu'un simple. Tu regardes Lucas Studio. Tu vois, pour moi, déjà, c'est plus. 40 pour Fred. Des thèmes de Tu récupères de Benjamin. Wow, je sais pas regarder. Tu récupères spécial blague de bof, spécial image, film de cul, enfin les titres de film de cul, sous hélium, spécial filtre. Oh là là, il a incroyable. Il a incroyable. Attends. Filtre. Victoire. Oh, j'ai une là-dessus. Bah ouais, t'avais 45. C'est la fin de la speedlist. Non, arrête, non, dis pas des choses comme ça. Speedlist version sobre, parce que je le rappelle, dans ce livre, il y a des jeux qui sont faits pour les apéros, mais il y a des jeux... Attends, mais il est vachement bien, où est-ce qu'on peut l'acheter? Tu crois qu'on peut l'avoir? Tu crois qu'on peut l'avoir? Toujours dans les librairies habituelles, Fnac et Cultura. Et des photos dedans? Il n'y a pas des photos de nous en soirée? Il y a des photos exclusives pour ceux qui connaissent bien la team de Maison Grise. On a mis un peu tous les gens de la team. Regardez Mathieu Monconduit comme il est beau. Un mannequin. Oh, Benjamin Nu, regarde comme... Il a pas mis celle-là. Tu sais ce qu'on a mis toute la soirée avec fin. C'est gênant. Et voilà, donc il y a 40 jeux. Bah, c'est beau ce qui se passe. Évidemment, quand t'es entre potes, tu peux et que tout le monde a la ref, les gens ont pas forcément les refs de trucs perso. Mais quand t'as la ref entre potes, de trucs. Genre... Le nom des ex de Didier. Donc en soirée, c'est évidemment un jeu très convivial. Lien en description de toutes les chaînes des invités. Ça a fait plaisir, une petite vidéo à l'ancienne, bien sûr. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.